tous, c'est Manuela, bienvenue sur ma chaîne de cuisine. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une pâte feuilletée ultra rapide. Alors je vous laisse avec la recette et je vous retrouve en fin de vidéo pour vous dire deux ou trois choses. A tout de suite. Pour cette recette, nous aurons besoin de 250 g de farine, 5 g de sel, 125 g d'eau bien froide et 200 g de beurre très froid. On commence à mettre la farine et le beurre dans le bol du robot. On malaxe légèrement tout en ajoutant l'eau froide et le sel. Alors attention, il ne faut pas trop travailler la pâte. On ne veut pas que le beurre se mélange complètement à la farine. Il faut qu'il reste des morceaux. Ensuite, on va légèrement fleurer le plan de travail. On étale la pâte en forme de rectangle. On fait un premier tour simple en pliant le rectangle en portefeuille, c'est-à-dire en rabattant la partie inférieure de la pâte, puis la partie supérieure par-dessus. Ensuite, on tourne la pâte d'un quart de tour. On pense à remettre régulièrement une petite pincée de farine sous la pâte pour qu'elle ne colle pas. On recommence un deuxième tour simple en rabattant la partie inférieure de la pâte puis la partie supérieure par-dessus. Et on termine par un troisième tour. La pâte feuilletée est un excellent compromis car on passe nettement moins de temps en cuisine et le résultat est délicieux. Avec cette pâte, vous allez pouvoir faire des tourtes salées, des galettes des rois, des chaussons aux pommes, etc. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. J'en profite pour vous remercier de m'avoir suivi tout au long de l'année 2016. Et je peux juste vous dire merci, merci et bonne année à tous. Ciao !